Tiens, on dirait que ce crétin va encore faire une vidéo sur la thalassophobie. Et si on s'amusait un petit peu? Alors qu'est-ce qu'on va faire comme montage? Je vais partir sur un truc simple, hein. Je vais pas me faire chier après tout le monde. Ouais, puis... Bon, qu'est-ce que je disais? Ouais, je vais faire un truc simple, puis voilà. De toute façon... Qu'est-ce qui rigole comme ça? C'est bizarre, ça. Imbécile. Chelou. Bref, j'en étais où? Ça doit être les chats. Faut toujours n'importe quoi, ces animaux. Ah là là. Pour mettre ça. C'est pas possible ça. Quel imbécile. M'a même pas vu passer. Coucou mon gros. Hey, salut tout le monde, ici Ovniar. Donc comme vous avez vu au titre de la vidéo, deuxième réaction à la thalassophobie, on va encore souffrir, hein, écoutez, on va encore se faire du bien. Puis comme vous l'avez vu aussi à l'intro un peu particulière, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec mon ami Paolo le poulpe, hein, on va l'appeler comme ça. Bref, bah écoutez, on va commencer. Ah oui, avant que ça commence, je voulais vous dire quelque chose, la vidéo elle va être... Ouh, Paolo, non, rip Paolo. RIP Paolo, tu as rejoint un océan beaucoup plus beau. Adieu, petit ange. Qu'est-ce que je disais? Oui, la vidéo va être en deux parties. Du coup, il y a une première partie où j'ai fait le montage moi-même, j'ai fait la vidéo moi-même, quoi, et du coup... Les réactions seront pas si folles parce que j'ai déjà vu hein, mon montage, je sais ce que j'ai fait. Mais quoi, j'ai quand même été très vicieux, donc vous allez voir, hein, ça fait quand même pas mal peur. Hein. Je pense que moi-même, je vais me faire peur. Et deuxième partie, je vais prendre une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Voilà, mon montage vient d'être fini, c'était ça le petit bruit. Bref, sur ce, je vous dis à tout de suite, et puis ouais, c'est parti. Bon, me revoici avec Paolo, donc on va commencer avec ma vidéo. Donc bah écoutez, bah c'est parti. Bon, vous inquiétez pas s'il tombe, il est cascadeur professionnel, hein, c'est pour ça que je l'ai embauché. Allez, c'est parti. Hop, je vais juste rapprocher le micro comme ça. Voilà, bon, vous voyez, ça commence très bien, j'ai été assez vicieux, hein, je vous le dis. Petite nouveauté aussi, j'ai mis des vidéos. Donc, vous allez le voir, vous allez voir. Voilà, quand je vous dis que j'ai été vicieux... Oh, putain. Voilà, bon, j'ai vu dans les commentaires que pas mal d'entre vous avaient peur des requins sous l'eau. Bah, je vous ai fait plaisir. Hein. C'est fantastique. Ah non, ça c'est les pires photos, en fait. C'est les pires photos. Quand on voit la moitié de quelqu'un sous l'eau... Enfin, bref. Les pires photos, c'est ça, tout simplement. Voilà, j'ai été vicieux, j'ai mis des vidéos. Celle-là, ça va, mais il y a pire. Il y a pire. Oh non, putain. Je me demande moi-même pourquoi j'ai fait ça, en fait. Je réalise que je suis vraiment un sadique. C'est pas possible. Bon, Paolo est cascadeur. Je vous l'ai dit, il a pas mal. Voilà, ça c'est... Oh non. Oh non. Je la regarde pas, celle-là. Je vous laisse regarder. Je sais ce que j'ai fait. Voilà. Vous me dites quand c'est fini. Ça doit être bon. Non, c'est pas bon. Ah, puis j'ai la moustache qui me picote le nez. Oh, serait temps que je rase tout ça, là. Ça va plus. Ça va plus du tout. Bon, allez, tu te dépêches, toi, là. Mon Dieu, c'est horrible.
Elle ne remet pas la tête sous l'eau. Et puis il la remet. Non mais quel enfoiré. Quel enfoiré. Ah putain. Ah l'eau devient trouble comme ça. Bon c'est pas méchant, c'est une petite... phoque, je sais pas. Bref, je vais fermer ma gueule. Ah ne va pas sous l'eau, ne va pas sous l'eau. Non c'est bon, c'est juste une vague. Ouf, ça va. Oh non putain il va sous l'eau. Je pensais qu'il allait pas aller sous l'eau. Putain. Mon dieu, ça va, c'était assez court. Ah mais ça c'est les pires photos. Mais ça je peux pas, c'est les pires photos. Désolé pour le micro, je sais pas si ça fait du bruit. Ça c'est les pires photos. Oh ça aussi c'est bien dégueulasse. C'est que des algues, mais quand vous êtes petit, il y a de quoi faire des cauchemars je pense. Je pense qu'il y a de quoi en faire des cauchemars. Voilà, pire photo encore une fois. Ah j'ai été vraiment vicieux, hein. Je me déteste moi-même. Vous pouvez m'insulter, hein. vous inquiétez pas. Oh là 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 là, j'étais horrible. Le montage, je l'ai fait il y a pas mal de temps, je me souviens pas de toutes les photos. Celle-là, par exemple, je m'en souvenais pas. Et c'est horrible. Comment j'ai fait pour faire le montage, en vrai? C'est fini, bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévu une autre vidéo, c'est assez court. Mais en vrai, je me pose une question. Comment j'ai fait pour faire ce montage? Mais je suis un malade, c'est pas possible. Vous avez raison, je dois être sadomaso quelque part. Hein. Bon allez, on va enchaîner avec la deuxième vidéo, ça serait un peu plus intéressant, je pense. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait quelques photos que j'ai déjà mis. Mais bon, ouais, des photos sur internet, il n'y en a pas 10 000, donc forcément, parfois, il y a les mêmes. Donc, bah écoutez, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, on enchaîne avec la partie 2, donc bah écoutez, c'est parti. Hop. Ah, j'ai le ventre qui gargouille, je sais pas si vous allez entendre. Je suis un gros tard, hein. J'ai encore faim, je viens de manger, il est 15h. J'ai mangé à 13h, il est 15h, j'ai encore faim. C'est aberrant. Aberrant. Oh putain. Ça, c'est pourtant, c'est mignon hein, d'habitude, mais... Ah. C'est parce que la photo est un peu sombre, je pense. Ah oui, ça, non, mais... Vous voyez, il y a plus addict que moi, il y a des gens, ils font des montages comme ça. Je suis pas le pire. Ah, putain, pas beau, lui. T'as vraiment une sale gueule, mon pauvre pote. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les dauphins? Trop bizarre. Je me demande comment ils ont fait ce montage. Ah, ça, pour le coup, c'est plutôt joli. Bon, à la place du mec, je me chie dessus, on est d'accord, mais sinon, vu comme ça, c'est joli. Ah, on dirait des genoux, c'est quoi? C'était un dauphin, ça aussi? Oh non, mais les mecs, ils sont tarés. Oh putain, non, ça, c'est le pire. Imaginez, vous vous promenez, vous voyez ça, vous êtes en bateau, oh non. Mais... Ah, une photo qu'on a déjà vue. Bon, elle est passée vite, ça va. Oh non, ça, c'est horrible. Horrible. J'adore les requins, je sais qu'ils sont en plus en danger et tout, j'adore. Mais... Au bout d'un moment, ça fait flipper. Faut pas se le cacher. Il est mort le truc, c'est quoi? C'est un requin mort? Ah. Rip petit pingouin. Le pauvre. Oh non, putain. Ça c'est flippant. Non mais faut pas faire ça. Ça c'est à ne pas faire, tout simplement. Quel enfoiré. Ah, celle-là on l'a déjà vue aussi. Bien flippante. Oh, il a une sale gueule lui aussi. Oh la vache. Ça doit être un vieux requin. Oh, ah mais le mec il se croit dans Subnautica quoi, il voit une grotte, ça y est, il rentre dedans, mais c'est un malade. C'est un fou. Ah ça doit être flippant aussi en vrai. Ça doit être super cool mais flippant. L'autre il est en calbut, vas-y en plein milieu de l'océan, tranquille, pff, avec son petit harpon. Ah, ça c'est chelou. Pour combien vous allez dedans en vrai? Ah, stylé la photo. Pour le coup, là, moi, j'ai pas de soucis. J'apprécie. Ouais, moi, ça va. C'est pour l'instant, tranquille. Je fais le fier. Ah bah, Paolo, tu m'avais pas dit que t'avais fait une photo. On dirait un film d'horreur raté, vous savez, hein, quand c'est mal fait. Les petites baleines. Pour l'instant, pour moi, ça va. Ah, ça, je sais pas pourquoi... J'hésite entre ça va ou ça me dérange, j'hésite. Putain, non, mais il faut être malade pour être à côté de ça. Oh non, mais là, tu cherches la merde. Clairement, en fait, t'habites ici, tu cherches la merde. Putain, le mec, il enchaîne les photos, il a pas le temps. J'ai même pas le temps de réagir. Le mec, il avait vraiment pas le temps. Hein. Mon dieu. Ah, ça doit faire flipper à la préhistoire, les bestioles qu'il devait avoir sous l'eau. Oh mon dieu. Ça devait bien faire flipper. Hein. Bien content de vivre à cette époque. Ouh, fait flipper ça. Par contre, pourquoi t'es en costard sous l'eau? Je comprends pas. Je comprends pas le principe. Ah, super cool comme photo, ça. Pour le coup, moi, ça va.
Dites-moi si les photos cool que je trouve cool, si vous, ça vous fait peur. Parce que j'ai vraiment du mal à m'imaginer que des gens puissent avoir peur de ce genre de photos. Tu vois, ce genre de photos, je comprends, ça fait flipper. Ça aussi, je comprends, ça fait flipper une sorte d'alien bizarre là, sous les abysses, là, dans les abysses. Je peux comprendre. Ah non, mais toi, t'as vraiment une sale gueule. Arrête de sourire, ça devient vraiment malsain là. Je sais pas si vous connaissez cette réplique dans Kaamelott. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Oh putain, ah non, non. J'ai failli avoir peur, mais après je me suis rendu compte que c'était mal fait. Du coup, ça s'est calmé. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh, c'est horrible, dégueulasse. Et il y a des montages qui sont vraiment bien faits. Ouh, ça c'est le genre de photo qui me fait flipper. Ça pour le coup. Oh là là, putain, on dirait la couverture des Dents de la Mer là. Horrible photo. Oh putain. Pourtant, il y a des requins qui sont mignons, hein, je vous le garantis. Ah, et c'est fini, je crois. Ouais, il y a des requins qui sont vraiment mignons, mais les photos, mais en fait, c'est les photos, c'est tellement de mise en scène. Ils en souffrent en plus, les pauvres, bref. Voilà, je suis pas là pour dénoncer, hein. C'est pas le sujet de la vidéo. Bon, bah du coup, écoutez, hein, on va s'arrêter là. Je pense que c'était assez violent, hein. Dites-moi si vous avez bien aimé mon montage, si j'ai visé juste, si ça vous a vraiment fait peur. Écoutez, moi, j'ai l'impression que Subnautica, là, je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur le jeu, mais j'ai l'impression que, bizarrement, ça m'a quand même aidé à combattre ma peur. Ouais, j'ai un peu moins peur, étrangement. Donc, écoutez, hein, ça peut être... Le jeu vidéo, je vous dis, ça peut être un bon remède. Si vous avez peur, n'hésitez pas à aller essayer le jeu. Je sais plus s'il est gratuit encore sur PlayStation, si vous avez une PlayStation. Mais, en tout cas, essayez. Bon, je suis pas payé, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste que, oui, j'ai remarqué que... Vraiment, grâce au jeu, j'ai fait des efforts. C'est intéressant. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, bah écoutez, comme d'habitude, hein, likez la vidéo, partagez, etc. Vous connaissez la chanson, hein, je vais pas vous embêter plus longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ça me revient. Surtout si vous avez des idées de vidéos sur lesquelles vous voulez que je réagisse, faites-moi en part dans les commentaires. C'est toujours très intéressant et puis ça me donne au moins des idées pour les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Hein. Mis à part YouTube qui continue à me retirer des likes, etc. Bon, c'est pas grave, ça, on s'en fout. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire, écoutez. Hein. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, ouais, prenez soin de vous. Salut, bisous.